C'est vraiment la meilleure qu'il y a cette année en Ligue 2. On a vu de belles pelouses aussi, mais pas autant que la nôtre. Je pense que tout le monde a compris maintenant que si la pelouse n'est pas en excellent état, vous ne pouvez pas faire un football de spectacle. Comme il n'y a pas de faux rebond, la surface est bien plane. Pour nous, c'est vraiment un plus, surtout que nous, on prône la qualité de jeu. Donc, d'avoir une pelouse comme celle-là, c'est vraiment un impact positif pour produire du beau jeu. Et donc, tout ce qui est contrôle, vitesse de passe, passe au sol, c'est un régal. Donc, j'attendais avec impatience dans ce domaine l'arrivée du mois de mars. Et en fait, on se trouve, c'est une très très bonne surprise parce que la pelouse est restée comme c'était une pelouse estivale tout l'hiver. Au niveau de la fatigue, par contre, surtout l'hiver, c'est amélioré puisque on n'a pas de surface grasse avec des appuis qui se dérobent, avec de la fatigue au niveau des adducteurs. Là, on s'en est trouvé amélioré et la récupération du coup a été meilleure. On a vraiment un meilleur ressenti des garçons, surtout au niveau psychologique où les garçons sont vraiment heureux d'aller jouer sur ce terrain qui est uniforme. On est le premier club en France et au monde. Alors donc voilà, premier club, ça c'est vraiment bien. Alors c'est bien, on ne se fait pas remarquer par nos résultats, ni en bien ni en mal, mais on se fait remarquer par notre pelouse.